Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom, ce nouvel épisode de Starbound V4, Please the Giraffe. Donc, chers amis, on reprend toujours notre exploration des planètes, donc des étoiles Gentle. Nous avons là une planète de type désert, on va aller dessus, ensuite on ira sur une planète de type, je crois, Forest ou Lush. J'opterai principalement pour une Lush. Yo les gens, dites bonjour à YouTube. Hop. Et pourtant, il est actuellement 21h30 et il y a des gens qui sont connectés. Je sais jamais écrire pingouin. Ah! Comment t'as fait le penguin? Ah! Gorgie! Réponse! Je l'aime, Gorgie. Salaud! 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 Je te hais! Mais non, je t'aime. Tu sais bien que je t'aime, mon petit Gorgie. Balance! T'as fait comment? Ah, le sac! Le sac! Je suis jaloux maintenant. Oh putain, j'ai une chier de bordel sur moi. On va aller d'abord. Hop. Hop. Shift fait point. T'as fait. Shift. Nien. What? Qu'est-ce qui chie? Mais qu'est-ce qui chie? Oh, je suis full. Seriously? Je suis full. Bon. Mais c'est génial. Il y a des trucs que j'ai en double. Non? Bon, bah on ira mettre ça dans ma garde-robe alors. C'est parti, chers amis. Allons-y. Pa-pa-pa-pa-pa-pa. Papa, 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 I want you. Hop. Shift parenthèse droite. Ouh. Ouh. Mais le pingouin, pingouin. Je sais pas comment on écrit pingouin, je me rappelle plus. J'ai tellement écrit en anglais dans le chat de Steam pour avoir la petite émoticône que je me rappelle plus du tout comment on l'écrit en vrai. C'est pathétique. J'ai honte de moi, chers amis, si vous saviez. Alors, ça je vire. Ça je vire. Ça je vire. Ok. C'est un salaud. Tu es une saloperie. Je t'aime, mais t'es une saloperie. Shift plus point d'interrogation. Mais c'est ce que je fais. Shift et point. Interrogation, ça fait point d'interrogation. Mais qu'il est con. Mais qu'il est con. Mais qu'il est con. Il connaît pas sa ponctuation. Ah, Moulu Blanc. Bon. Est-ce qu'on va réussir à faire un petit peu d'explo? Fou, ça va être compliqué. Ah oh, tiens, des choses à explorer. Oh, il a survécu le sac. Non, tu ne t'enfuiras pas. Touché. Ah, touché. Ah ah. Je tire plus vite que mon ombre, je ne parle pas de mon pistolet. Bon, touché. Hop. Ouh, c'est joli par là. J'aimerais récupérer ça.
D'accord, ça casse le toit complètement en fait. Cabine roofing, c'est intéressant. Ok, on progresse. Je sais pas si je peux... on peut toujours pas cliquer. ...902. Et l'autre, comment il s'appelle? Heroes. Ah bla! Fatal Error! Heureux, chers amis. Bon bah j'ai eu une Fatal Error, je vais quand même retenter l'expérience. Core... J-902. Fatal Error? Pas Fatal Error? Non, pas Fatal Error! J'ai eu une Fatal Error. C'était violent. Et j'ai l'impression de parler comme un abruti. Bla. Non. Tu recules. Et comment il écrit que j'écris bien son nom. Je parle vraiment comme à quelqu'un qui est bourré. J'en chie. Hein. Oh nom de Dieu. Hop. J'avais pas une pétoire qui était genre... Première chose que je fais, c'est que je lui tire dessus. Ah, j'essaye. Ça tire pas assez vite. Ça marche ça? Ouh. Ouh. Heroes. Bon, je vais essayer quand même. Pas de fatal error. Pas de fatal error. Et il avait mis une majuscule, haha. Blah. Mais il accepte le groupe. Blah. Comment je peux virer ça? Attends, si je fais reboot. Bla, merde. Et le pire, c'est que l'interface s'est barrée. C'est d'une telle violence. Pourquoi c'est tout rouge là-dedans? Elle avait laissé un flair. Corgi, invite moi, attention aux majuscules. Hop. La tortue! Bla bla. Une télé. Ouh. Un coffre. Personne ne l'aura vu. Il était à moi, ce coffre. Il est à moi. Hop. Personne ne l'aura vu. Personne ne l'aura vu. Personne. Hop là. Bla. Bon, corgé. Tu m'invites, oui ou merde? Alors, là, il y avait un coffre. Ouh, je l'ai eu. Pourquoi c'est rouge? Ah, parce qu'il manque du sable, en fait, en fond, j'imagine. On va voir si c'est ça. C'était ça. Nope, bug. J'ai quitté le machin en fait et comme l'interface a disparu, bah tout a chié. Vive les jeux en bêta, chers amis. Hop.
Une épée moche, d'accord. Oh ! Oh ! Un bout de l'armure de Bédouin ! On va voir si Corgi va remarquer. On va voir si Corgi va remarquer. Oh, un pistolet. Nope. On résiste à l'appel du pistolet. Quelque chose dans... Il y a de l'eau. Bon, c'est pas grave. Hop. Vous imaginez si on n'avait pas eu le... What? À quoi ça sert de mettre du sable dans un puits? C'est useless. Oh oh. On va bien jouer. Hop. Aha. Ouh. Ouh. Oui, non, je vais pas. Je vais pas déco-reco durant un tournage. Ah bah si, ça marche. Ah bah. Canon à neige. Non! Non! Tu te retiens. Ils t'ont rien fait. Il y a des marchands de vêtements! Mais non! Mais. Que. T'es. Con! Putain. Je suis pas en admin. T'es juste mauvais. Le sac. Oh, qui me saoule. Hop. Hop. C'est con parce que j'avais rarement vu une ville aussi peuplée. Non, sérieusement, c'est con. Hop. Mais pourquoi il tire plus? Ah oui, d'accord, je rebondis comme un con. Bon, je suis mauvais. Je confirme. Hop, fuite. Fuite. On a fait le tour. On a fait le tour. Hop là. Ah putain, il me saoule avec ça. Ok. Petite astuce, chers amis. Slash. Spawn. Gun. 10. Non. Est-ce que ça va marcher?
Ça a pas marché. Ça marche pas. Ça marche pas. Je suis vexé. Je l'avoue, je suis vexé. Je l'avoue, je suis vexé. C'est dur d'être le boss. Attendez, on va quand même aller voir si on n'a pas quelque chose de sympa. Hop. Alors, Ceruleum Compound 4. 4 Ceruleum. Non mais oh, dégage. Le sac qui se téléporte comme ça, genre popopo, je suis chez moi. Bitch please, get out the way. À moi, c'est mon Ceruleum. Hop. Je voudrais pas le même que lui. J'espère que celui-là... Mais celui-là, à tous les coups, je vais en prendre un qui fonctionnera pas sur le... Est-ce que ça va être fonctionnel ou pas? Blah, ça marche pas. Je suis vexé. Je suis tellement vexé. Je vais en faire d'autres. Hop. Voilà. C'est une menace. Ah ! Qu'est-ce que je vais virer ? Je vais virer ceci. Et je vais mettre celui-ci aussi à la place de ce truc-là. Ah mais ça me tue aussi. Mais c'est tellement débile. T'es sérieux là? What the fuck? Dégage. Dégage. Haha. M'en fous. Bah. Je suis à deux doigts de la mort. Il me saoule. Bla. Mais.
Je crois que je suis repéré. C'est lui le seul monstre du jeu! On va le taser un coup. Je suis persuadé que ça n'a pas marché. Oh putain. Ouh. Hop. Alors il doit y avoir un truc, ça doit être genre slash. Donc forcément slash admin. Ça, vous n'y avez pas accès. Slash spawn giant NPC. Ah, je sais plus. Je sais plus. Faudrait que je me renseigne, chers amis. Ah, je vous referai ça. De toute façon, c'est le genre de... Non, mais tu vas arrêter de me tirer dessus. En tout cas, on va se laisser là pour cet épisode un petit peu long et un petit peu court à la fois. Parce qu'à cause de toi, je l'ai trouvé plus long que prévu. Mais bon, encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce vériser, à la commenter, à la partager, à vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Pérou, dont vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à rejoindre le groupe Steam. Oui, déjà, premièrement, le groupe Steam. Et le serveur, si vous souhaitez participer à des aventures un petit peu comme ça, débiles, qui viennent de nulle part. C'était pas du tout prévu. Mais bon, écoutez, avec un petit peu de gens, des fois comme ça. Et il me... Là, j'ai l'impression d'avoir un putain d'animal de compagnie. Kanji, voilà ce que tu es ma mascotte. Tu fais ma musique. Et tu me sers de mascotte. Vu que tu me casses les couilles, tu me sers de mascotte. Ça te va tellement bien le rôle de mascotte. Merde. Comment je suis censé me rendre là? En creusant, bien sûr. Non, non, non. Reconstruit. Faut bien trouver de quoi s'amuser dans le jeu. Allez! Putain, mais le coffre! J'ai pas vu qu'il avait pris le coffre. Le coffre. What? What the fuck? Voilà, ramasse ton PQ. Et moi je vous dis à plus pour d'autres épisodes. Salut les gens. Il y a une connerie comme ça, c'est pas possible.